Jésus qui tu es vainqueur, Jésus
Alléluia. Gloire à Jésus, interprétation. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, peuple de Dieu. Ici, nous sommes dans le quartier de Tchonké. Voilà, quand on parle de Tchonké, à Cotonou, tout le monde sait ce qui se passe à Tchonké. Voilà. C'est le quartier réputé, le quartier vraiment de débauche. Et le Seigneur nous envoie dans ce quartier. Il nous a donné la révélation que nous venions dans ce quartier pour venir semer la lumière, sa lumière, la lumière de l'évangile dans ce quartier rempli de ténèbres. Et c'est ce qui nous a amenés. Donc nous sommes venus allumer la lumière de l'évangile, la flamme de l'évangile, la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle aux âmes perdues pour les sortir des ténèbres, pour les sortir de la débauche, pour les amener à Jésus-Christ. Donc c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire ici. C'est la mission qu'il nous a confiée. Et nous sommes venus. Et nous allons rentrer dans le quartier, rentrer dans les fonds. Nous savons que le Seigneur a déjà disposé les âmes, il a déjà disposé les cœurs. S'il nous a envoyé ici, c'est parce qu'il a déjà préparé les cœurs. Comme il a envoyé Jonas à Ninive, Jonas ne savait pas que des gens à Ninive pouvaient accepter le message de repentance. Et comme Dieu a déjà préparé le cœur, il a envoyé Jonas. Jonas ne voulait pas aller, mais Dieu l'a forcé à aller. Parce que quand Dieu t'envoie quelque part, tu ne peux pas refuser. Quand Dieu te dit va, toi tu ne peux pas dire non, parce que nous sommes de l'argile entre ses mains. Donc il nous a dit de venir dans ce quartier difficile appelé Tchonké. Et nous ne pouvons pas dire non. Donc aussitôt, nous avons obéi. Il m'a donné la vision le matin. Et nous voici présents sur le lieu. Donc nous allons rentrer dans le quartier. Nous allons prêcher la bonne nouvelle pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Sous nos pieds. Oh, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Pourquoi Jésus-Christ signe en nous? Que le Seigneur te bénisse. Jésus-Christ signe en nous. Jésus-Christ vous ferme. Jésus-Christ signe en nous. Donnez votre vie à Jésus. Nous sommes venus partager la bonne nouvelle avec vous. Jésus-Christ. Est-ce que vous avez déjà donné votre vie à Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Nous en nous Jésus-Christ. Tonton, est-ce que tu aimes Jésus? Nous en nous Jésus. Mon tonton, est-ce que tu aimes Jésus? Oui, on est Jésus. Mon tonton, est-ce que tu aimes Jésus? Oui, Jésus à propos. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Jésus-Christ. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? Oui, Jésus-Christ te présente. Voilà notre traité, vous pouvez lire. C'est le message de l'évangile de Jésus-Christ que le Seigneur nous envoie prêcher dans ce quartier de Tchonké. Jésus vous tend la main parce que les temps sont finis. Le temps qui nous reste, c'est un petit pas. Donc nous devons chercher Dieu de notre vivant. Pas après notre mort que nous allons le chercher, mais de notre vivant. Quand nous sommes vivants,
Jésus-Christ nous cherche. Dieu nous aime. Et il nous cherche par tous les moyens. Moi qui te parle, je suis resté gardien pendant 4 ans. Dans Jonquet, là, à MTL, là. Et Jésus-Christ m'a visité. J'ai porté le maillot là. Alors, on prend le pont. Et Jésus-Christ a changé. Et il a dit, va dire ce que je t'ai fait. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, si vous voulez donner votre aide, si vous voulez expérimenter une marche avec Jésus est prêt à t'accueillir. Jésus-Christ va agir. Jésus-Christ va agir. Notre adresse est alléluia. Alléluia. Tonton, est-ce que vous avez un mot? Beaucoup de monde à l'eau. Jésus t'aime. Seigneur, voilà notre première âme que nous avons rencontrée. Seigneur, notre devoir, c'est de semer ta parole dans le cœur. Et c'est toi qui peux arroser pour que ça puisse pousser. Seigneur, nous ne connaissons pas le tonton. Papa est Michou. Mais lui, toi, tu le connais. C'est toi qui l'as créé. Tu connais ses problèmes. Tu connais ses besoins. Seigneur, Jésus, la parole que nous avons semée dans ce cœur. Seigneur, nous te prions d'arroser. Qu'il puisse germer. Qu'il puisse pousser. Pour porter de fruits. Seigneur, visite-toi. Seigneur, révèle-toi à lui. Seigneur, que ta lumière le fuisse. Et que les ténèbres soient dissipées. Seigneur, amène-le sur ton chemin. Seigneur Jésus, si tu l'as envoyé sur cette terre, tu as de grands projets pour lui. Seigneur, accomplis ton projet dans ta vie. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il connaît Jésus. Et tu es vivant et pour accepter Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, après la mort, ce sera ton âme. Si tu es vivant et pour accepter Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, après la mort, ce sera alléluia. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, après la mort, ce sera ton cas. Alléluia. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, après la mort, ce sera ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, passer, ce monde va passer, passer, ce monde va passer, Saint Jésus ne passe pas. Ta richesse va passer, ta richesse va passer, ta richesse va passer, passer, tes millions vont passer, Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, passer, ce monde va passer, ce monde va passer, Je suis pris ta place, à la vie.
Jésus de Nazareth est en vrai. Le nom qui fait trembler les forteresses du diable. Je suis venu te dire, afin que Jésus-Christ, tes problèmes vont connaître la solution. Avec le nom de Jésus, tes problèmes vont prendre et mon problème, ce que je suis venu t'annoncer. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus. Viens maintenant, viens parler ta vie à Jésus.
Si tu es prêt, lève ta main. Il ne faut pas avoir peur. Si tu manges Jésus, tu manges la parole de Jésus, ça va demeurer en toi, ça va te transformer, ça va faire de toi une nouvelle personne. Moi qui te parle, j'étais aussi un grand délinquant, j'étais dans la drogue, j'ai passé beaucoup de temps dans la drogue,
Mais Jésus m'a délivré. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a transformé. Et Jésus-Christ a fait de moi ce que je suis. Donc ce que j'ai à te donner maintenant, c'est pas l'argent. L'argent va finir. Mais quand je te donne Jésus, Jésus ne va pas finir. Entre l'argent et Jésus, tu choisis quoi? Tu choisis Jésus. Alléluia. Tu as fait le bon choix. Comment tu t'appelles? Miracle. Tu vois, il a un joli nom. Mais il ne connaît pas le secret qui est dans ce nom. Et il s'appelle Miracle. Jésus-Christ est le vrai miracle. Alléluia. Maintenant, si ils n'ont pas accepté Jésus, malgré qu'il porte le nom miracle, le miracle n'aura jamais lieu dans sa vie. S'il n'a pas Jésus dans sa vie, il va porter seulement le nom miracle, mais le miracle ne va jamais se produire. Aujourd'hui, Jésus-Christ va activer le miracle dans ta vie. Alléluia. Voilà les âmes pour lesquelles Jésus nous a envoyé à Jésus. Ce jeune homme est venu et il veut donner sa vie à Jésus. Et son nom s'appelle Miracle. Et aujourd'hui, le ciel va activer le miracle dans sa vie. Le miracle que Jésus m'a fait. Moi j'étais aussi un grand délinquant. J'ai passé trop de temps dans la drogue. J'ai fait aussi Zem. Elle me tient le tronqué là. Et Jésus m'a transformé. Quand je parle de Jésus, ce n'est pas de la folie. C'est parce que je l'ai touché de mes doigts. Alléluia. Mon petit, aujourd'hui, Jésus Christ t'as croisé et Jésus veut impacter ta vie. Bon. Jésus veut faire de grandes choses dans ta vie. Il ne faut pas blaguer avec ce nom. Il faut le prendre au sérieux. Même au sein de ta maison, il faut prier. Il faut l'appeler. Il faut lui dire Jésus. Moi, je veux que tu fasses de ma vie un miracle. Et si tu fais de ma vie un miracle, je vais te servir. C'est comme ça, moi je priais. Et Jésus va transformer ta vie. Alléluia. Tu vas répéter avec moi. Non, garde la position. C'est très bon. Tu vas répéter avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, moi ton fils miracle, je te remercie. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as mis sur ton chemin. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, impacte ma vie. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités. Seigneur Jésus, lave-moi de tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom du livre de l'enfer. Seigneur, que ta lumière me visite. Que ta lumière visite mon âme. Que ta lumière visite mon esprit. Que ta lumière visite mon esprit. Seigneur Jésus, fais de moi un symbole de ta gloire. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, délivre-moi de toutes les chaînes du monde et transforme-moi à ta gloire au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, voilà ton fils miracle. Sur la terre, il y a des gens qui portent des noms mais ils ne connaissent pas sa signification. Seigneur, ils portent le nom miracle mais ils ne savent pas que c'est toi le Dieu qui fait miracle. Mais aujourd'hui, tu l'as mis sur notre chemin et il a croisé le Dieu de miracles. Seigneur Jésus, fais de sa vie un miracle. Seigneur, je te prie, fais de sa vie un miracle dans cette génération. Seigneur, je te prie de briser toutes les chaînes de limitation de sa vie, toutes les chaînes de malédiction de sa vie. Je prie que toutes ces chaînes soient brisées. Je prie que ces
chaînes soient rompues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction familiale, toute malédiction ancestrale qui pèse sur sa vie, je prie maintenant que toutes ces malédictions soient détruites maintenant. Le fardeau de péché qui pèse sur sa vie, le fardeau de délinquance qui pèse sur sa vie, je prie Seigneur que le fardeau tombe. Que le fardeau tombe. Que le fardeau tombe. Seigneur, que ta lumière le visite. 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 Je commande maintenant à l'esprit de délinquance qui a pris sa vie en otage de lâcher son âme, de sortir, d'aller dans les abîmes. D'aller dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce dans sa vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lève-toi. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Vous allez. Papa, tu es là. 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 Si ce délai arrive,
Si tu me vois, il faut cracher sur moi. C'est moi qui te parle. Je sais ce que Jésus a fait dans ma vie. Si c'est pas parce qu'il me dit d'aller propager. Oh, la bénédiction qui est dans le nom de Jésus. Je vais garder ça pour moi seul. Le secret qui est en Jésus là. Moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit Viens donner ta vie à Jésus. Ma soeur présente devant Jésus. Et je vais prier pour toi. Viens accepter Jésus. Voyez Jésus le présente. Je vais prier pour toi. On a quoi de nous? Les chaînes de malédiction. Et quand nous voulons, nous devons les dire. Qui t'ont limité dans la pauvreté. Tu fais deux pas en avant. Ils ont loué une tombe. Voilà la dernière fois. Pose toutes les questions. Jusqu'à quand ça va changer? Le changement est venu devant toi. Le changement est venu devant toi. Et où est-ce que tu es? C'est à toi d'accepter. Bovenaï, c'est à toi de toucher. Bovenaï, c'est à toi de l'apprendre. Bovenaï, Jésus. Jésus vous parle. Jésus là, t'as entendu? Les temps sont finis. Si tu veux que je prie pour toi, viens, je vais prier pour toi. La main de Jésus est tendue. Alors, à quoi ton indique? La main de Jésus est tendue. Alors, Jésus ton indique. La main de Jésus est tendue. Si tu veux, viens, je vais prier pour toi. C'est gratuit. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui va transformer ta vie. Le changement, il y a Dieu. C'est fini maintenant. Et où a-t-il? Maintenant, il faut accepter Jésus. Viens, Jésus, le bâtiment. Mon frère, ma soeur, je te dis, les temps sont finis. Le temps qui nous reste, c'est le temps d'accepter Jésus. Jésus, en ce nom, en ce nom.
ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèpreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Mon ami, je te dis en vérité avec toi. Ce voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça montre que tu aimes Jésus. Ce bateau que tu as emmené là. Moi, j'ai gardé ça longtemps. Et Jésus m'a libéré de ça. Jésus t'aime aussi. Jésus te fait vivre. Est-ce que tu connais Jésus? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oui. Mais Jésus lui fait quelque chose. Moi, c'est Jésus. Moi, qui te parle. J'ai fait cardinal à M.T.T. là. Quatre ans. Jésus, est-ce que tu peux dire Jésus va fixer ma vie. On va voir tout ça. Est-ce que tu peux dire Jésus va te misérer complètement et tu vas avoir ma vie. Mais que toi, tu peux faire ça. C'est Jésus qui donne le sac. Alléluia. Tu es marié. Tu es musulman. Je te dis, dans mon église, il y a plein de musulmans qui se sont donnés à Jésus. Et je veux que tu sois le prochain sur la liste. Je veux que tu essayes toi de pouvoir. Moi, j'ai plein de musulmans dans mon église qui se sont donnés à Jésus. Parce que la religion ne peut pas régler tous les problèmes. Mais Jésus, lui, est capable de régler tous les problèmes. Il a réglé les problèmes pour moi. Je te dis, tu vois, même tu sais qu'il y a des choses que tu es obligé de faire pour changer un peu des soucis. C'est à cause de ça que tu prends la cigarette. Tu vois, mais je sais que quand toi-même tu vas Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Tu es dans ta vie à Jésus. Est-ce que tu es prêt à abandonner la cigarette? Que Jésus l'aide à abandonner la cigarette. Est-ce que tu es vraiment engagé? Parce que le tout ne suffit pas seulement de cigarette. Vraiment, comme on est en train de te parler là, tu vas faire ça, c'est semblant. Parce que là, c'est ton ami. Hein. C'est ton ami. Est-ce que tu es prêt vraiment à abandonner la cigarette? Parce que si tu es prêt, si tu t'engages vraiment, je ne sais pas. Je suis en fait. Mais si tu n'es pas engagé, que tu veux faire simplement pour qu'on te laisse partir là. Non, il ne peut rien te faire. Tu es vraiment prêt. Tu vas répéter après moi. Je vais prier. Parce que ces enfants sont enchaînés. C'est là, je vais oublier que. Je vais te mettre. C'est pas grave. C'est pas grave, il faut rester debout, il n'a pas venu pour les chrétiens, il est venu pour tout le monde, que ça soit musulman, que ça soit chrétien, que ça soit païen, il est venu pour tout le monde. Il veut que ce soit une autre personne. Là, il va tout répondre. Mais il a accepté. Tu vas répéter après moi, tu vas faire une autre chose. Seigneur, parce que ma famille est noire. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour le sacrifice que tu as payé à la croix pour le salut de mon âme. Pour le salut. Vas-y.
pour le salut de mon âme. Pour le salut de mon âme. Voilà. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Tu es originaire de Basila. Oui, je connais très bien Basila. Alléluia. Je vais prier pour toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, voilà ton fils. Digne. Seigneur Jésus, je ne le connais pas, mais toi, tu le connais. Tu connais ses problèmes, tu connais ses situations. Seigneur Jésus, papa impacte sa vie. Seigneur, son cœur est disponible à te connaître. Seigneur, je te prie de le visiter, de te révéler à lui comme tu t'es révélé à moi, comme tu as changé ma vie, comme tu as changé ma vie de drogue, de cigarette, de tout ça. Seigneur, je te prie, fais-lui la même chose, papa. Seigneur, visite son âme. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, commence par lui parler. Commence par parler à son cœur. Seigneur Jésus, papa, fais un geste dans sa vie. Transforme sa vie. Seigneur, tu connais ses problèmes, ses difficultés. Seigneur, agis dans sa vie, papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimé, voilà, ça c'est notre frère Digne. Voilà, il est du Bénin. Quand, vous voyez, quand on a commencé par parler, quand il nous a vu, quand on l'a abordé, il fumait une cigarette, mais en même temps, il a jeté la cigarette parce que son cœur s'est disposé pour écouter la parole de Jésus-Christ. Et il a accepté, j'ai prié pour lui. Et je sais que Jésus-Christ va déclencher quelque chose de nouveau dans sa vie. Alléluia. Voilà ce que Jésus-Christ veut pour ses enfants. Jésus veut que nous sortons de la vie de péché. Jésus veut que nous sortons des choses du monde, des choses des ténèbres pour venir à sa lumière, pour qu'il nous change, pour qu'il nous transforme. Alléluia. On va prendre ton numéro. Il faut prendre ton numéro. Elle va écrire ça. Voilà, il faut écrire. Alléluia. Les tontons, merci beaucoup. Seigneur, voilà tes enfants. Papa. Seigneur, agis par le ici, c'est un quartier à majorité musulmane. Voyez, à majorité musulmane. Et en même temps, un quartier de prostituées. Voilà. Depuis cette fonte jusqu'à toutes les fonds, jusqu'au bouton là-bas, ce n'est que la zone des prostituées et en même temps des musulmans. Donc, c'est la zone où il y a beaucoup de délinquance. Les gens fument la drogue, les gens fument la cigarette, les gens fument tout ce qu'ils veulent, alléluia, en pensant trouver la paix, en pensant trouver la joie dans ces choses, mais leurs âmes sont enchaînées. Et c'est ça Jésus nous envoie, pour leur parler, pour leur tendre la main, pour leur parler de la repentance, pour leur parler du salut, pour que leur âme soit libérée. Et nous voyons vraiment que les cœurs sont disposés, plusieurs ont déjà vraiment accepté, nous avons prié pour plusieurs et plusieurs ont accepté, ils ont donné leur numéro, on va garder leur contact, on va continuer de travailler avec eux, d'autres ont même confessé. C'est ce que Jésus-Christ est en train de faire dans ce quartier de appelé Djonké. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un homme, c'est l'ancien du ciel. Ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient,
En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Les tontons, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis shalom au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Mon tonton, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ tend la main. Maman, Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus-Christ vous tend la main. Jésus vous tend la main. Donnez votre vie à Jésus. Les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus est imminent. Jésus-Christ revient bientôt. Les temps sont finis. Mon tonton, Jésus t'aime. Tonton, Jésus t'aime. Tonton, Jésus t'aime. Hein? Oui, Jésus aime tous les musulmans. Jésus-Christ aime tous les musulmans. Oui? Hein? Hein? Oui, on va parler de toi d'abord. On va parler de toi et après on va parler de celui. Si tu acceptes, je vais parler, je vais prier pour toi. Hein? Non, je sais que tu n'es pas à l'aise dans ça aussi. Hein? Jésus t'aime quand même. Jésus a de grands projets pour toi. Hein? Jésus t'est à la main. Les tontons, Jésus est merveilleux. Donnez votre vie à Jésus. Les temps sont finis. Tonton, Jésus t'aime beaucoup. Tonton, Jésus t'aime beaucoup. Tonton, Jésus t'aime beaucoup. Si tu acceptes, je vais dire un mot de Jésus sur ta vie. Je vais prier pour toi. Jésus va partir ta vie. Moi, je ne suis pas conscient. Yes. Travaille tout le temps. Yes. Oui. Donc, je suis beaucoup travaillé. Je suis un peu de l'amour. Et j'adore, j'adore Dieu. Je ne veux pas c'est ça, c'est très important. Moi, je vous voyez là. C'est ça de la terre. Jésus-Christ a changé ma vie. Pendant plus de 4 ans. Donc, on vit pendant tout le temps. À la recherche du problème. C'est quand j'ai choisi Jésus que les choses ont touché. Je vous dis la vérité. Si tu n'es pas en sécurité, tu peux bien travailler. Mais tu ne peux pas réaliser. Je vous dis la vérité. Donc, non. Seigneur, mon Dieu, mon roi, voilà mon frère. Je ne le connais pas, mais toi tu le connais. Seigneur, de la même manière que tu as brisé les liens. Seigneur, je te prie de briser aussi ses liens. Je te prie de rendre ses chaînes, papa. Je te prie de visiter son âme. Seigneur, je te prie d'importer sa vie. Seigneur, tu connais sa situation spirituelle. Seigneur, là où son âme est enchaînée, Seigneur, je te prie de libérer son âme et de libérer toutes ses bénédictions, de libérer toutes ses grâces. Seigneur, je prie que ta lumière le visite, que ta lumière visite son âme et que les ténèbres s'enfuient devant lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus, à partir de maintenant, commence par le visiter, papa. Commence par l'orienter. Commence par diriger ses pas, Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais ce projet. Agis dans ta vie, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Merci beaucoup. Jésus vous aime. Les temps sont finis. Alléluia. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les tontons, je vous salue. Les tontons, je vous salue au nom de Jésus. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. C'est le meilleur sauveur. C'est le sauveur. Le vrai sauveur. C'est Jésus. Son nom s'appelle Jésus. Ma tante. Ma tante, ma tante, mon tonton, je vous salue au nom de Jésus. Jésus vous aime. Voilà. Jésus t'aime. Tonton, Jésus t'aime. Voilà, avant,
On m'appelait Diemel. Est-ce que tu connais le rappeur Diemel? Peut-être. Mais je vous dis en vérité, Jésus m'a changé. Moi aussi, je fumais tout ce que je voulais. Mais Jésus m'a changé. Jésus m'a libéré. Alléluia. Donnez aussi votre vie à Jésus. Les temps sont finis. Donc, dis la vérité. Quand tu meurs sans Jésus, c'est l'enfer direct. L'enfer réel. Ça, tout le monde sait que l'enfer est réel. Et le choix du paradis ou de l'enfer, ça se fait de notre vivant. Si tu vis comme tu veux sur la terre, là, tu sais que bon, tu as fait le choix de l'enfer. Mais quand tu fais une seconde en enfer, ah, tu vas regretter toute ta vie. C'est pour ça que moi, j'ai choisi le paradis. Et le paradis, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux noms. Donc, Jésus vous aime. Acceptez Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un an, ce nom vient du ciel. Ce nom fait merveilleux. Ce nom fait Jésus. Est-ce que tu as bien accepté Jésus? Est-ce que tu as bien accepté Jésus? Donc, il faut apprendre à marcher Jésus. Il faut apprendre à suivre selon la volonté de Jésus. Jésus va faire de grandes choses dans ta vie. D'accord? Je vais prier. Et voilà. Seigneur Jésus, je te confie la vie de tes voix. Papa, tu sais disposer, il a écouté ta parole. Seigneur, je te prie, impacte ta vie. Seigneur, visite son âme. Seigneur, les chaînes qui ont lié son âme, je te prie que ces chaînes soient rompues, papa. Que ces liens soient rompus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu connais tes projets. Papa, agis, papa, soutiens-le, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma maman, Jésus t'aime. Maman, Jésus vous aime. Acceptez Jésus. Jésus est le sauveur. La vie sans Jésus, c'est grave. Mais la vie avec Jésus, c'est la grâce. Est-ce que tu acceptes Jésus? Voilà. Acceptez Jésus. Les temps sont pour nous. Accepter Jésus. Voilà. Est-ce que tu as accepté Jésus? Amen. 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 Seigneur Jésus, papa, je prie que ta lumière descende dans cette maison. Que les ténèbres soient chassées, soient dissipées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tous tes enfants dans cette maison, je te prie de les visiter, de visiter leur âme. Amen. Seigneur Jésus, papa, efface leur nom du livre de l'enfer et écris leur nom dans le livre de vie. Seigneur, agis par leur vie au nom de Jésus. Amen. Les temps sont finis. Mon frère, ma soeur, les temps sont finis. Il y a un jour qui arrive, jour de colère de Dieu. Ce jour, où seras-tu? C'est pour ça que je t'annonce en ce moment d'accepter Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard, viens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. L'enfer est réel. L'enfer est réel. La vie sans Jésus, c'est l'enfer. La vie sans Jésus, c'est l'enfer. Oui, tonton, que le Seigneur te bénisse. Oui, je sais très bien. Oui, mais pourtant, il y a musique au ho-ho là quand même. Ah, grand-mère accepte ça. Je vous comprends. Mais Jésus vous aime quand même. Jésus est le sauveur. Papa, Jésus t'aime. Voilà, papa, je veux que Jésus. Il est très, très joyeux avec Jésus. Acceptez Jésus. Il fait très chaud en enfer. Je vous le dis en vérité, en vérité. Le retour de Jésus est imminent. Acceptez Jésus. Sortez de la drogue. Sortez de la prostitution. Il fait chaud en enfer. Il fait chaud en enfer. Il fait chaud en enfer. Jetez la cigarette. Jetez la drogue. Et venez à Jésus. La cigarette et la drogue, c'est un lien, c'est une chaîne qui te pousse en enfer. Donne à mon père
souffre. Jésus te parle. Viens à Jésus. Les temps sont finis. Mon tonton Jésus te parle. Donne ta vie à Jésus. Donne à la foi de Jésus. Oui, Jésus vous aime. Tonton Jésus t'aime. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Jésus va te libérer de ça. Moi, il m'a libéré. Je te dis la vérité. Il m'a libéré de ça. Alléluia. Il m'a libéré de ça. Est-ce que tu vas accepter Jésus? Faut jeter ça, je vais prier pour toi. Faut jeter ça ici même. Voilà, faut jeter ça là. Hey. Voilà, bravo. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Hey. Toi, tu es musulman. Et toi-même, tu sais que l'islam n'accepte pas la cigarette. Ou bien est-ce que c'est moi qui mens? Hein? Là, il y a un problème. Tu es musulman, mais tu fumes. Là, tu es en train de tricher Allah. C'est ça, non? Il y a un problème. Mon Seigneur Jésus, voilà mon frère. Seigneur Jésus, visite-le. Visite son âme. Seigneur, soutiens-le, papa. Son âme est liée dans les chaînes de l'ignorance. Papa, je te prie. Papa, visite-le. Seigneur Jésus, visite-le son âme. Visite son âme. Seigneur, ne permet pas que son âme aille en enfer. Seigneur, agis comme ça, mon papa. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus va être plus tard. D'accord? Alléluia. Il ne faut plus fumer cigarette. D'accord? Il ne faut plus fumer cigarette. Les temps sont finis. Nous l'attendons. Ma tante, viens, je vais prier pour toi. I want to pray for you. Jesus, like you. Jesus want to transform your life. Jesus want to impact your life. If you accept Jesus, Jesus will write your name in the book of life, in the heaven. You know, do you accept? Are you ready to accept Jesus? Can you come? I pray for you. Come, I pray for you. Wait, wear your clothes. Wear your clothes and come, I pray for you. Jesus wants to make something in your life. Amen. Come on, I pray for you. Calm down, I pray for you. Come on, come on. Come on, come on, I pray for you. Yes. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, praise the Lord. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, praise the Lord. 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 My sir, come on, go. Come on. Come on, come. Come, come. Come. I pray for you. Come. Jesus like you. Come, come. My sister. Come. Come too.
Come. Sister, come on. I pray for you. Come on. Jesus like you. Give your life to Jesus. I pray for you. Amen. Jesus will deliver you. Yes. Venez, je vais prier pour toi. Ma fille, tu viens, je prie pour toi. Elle est sortie, elle est là-bas. D'accord. Jésus vous aime aussi. Alléluia. Ça va? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Alléluia. Est-ce que tu as pas encore, mais je pense. Aujourd'hui, il faut que tu le fasses. Parce que le regard à côté de toi, il pleure. Parce qu'il te cherche. Et il ne te trouve pas. Tu comprends? Il ne te trouve pas encore. Il veut que aujourd'hui, il aime. Que tu acceptes ta vie. Que tu te donnes à lui. Il va briser tes chaînes. Oui, comment? Tu vas briser tes liens. Tu vas briser toutes tes chaînes. Tu vas voir sa puissance dans ta vie. Est-ce que tu sais que l'enfer existe? Et qu'est-ce que tu fais pour ne pas aller en l'enfer? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas mettre ton pied à l'enfer? Je ne sais pas. D'accord. Ce qu'il faut faire, la première chose, c'est accepter Jésus. D'accord. Deuxième chose, c'est d'abandonner la mauvaise vie, tout ce qui est péché. D'accord. Péché de cupidité, péché de divorce, péché, tout ce qui est impliqué. Pour abandonner. Accepter Jésus. Il faut se soumettre à lui. Il faut craindre son nom. C'est lui qui nous a créés. Tu vois, c'est lui qui nous a créés et il nous aime et il veut que nous nous donnons à lui et il va donner un sens à notre vie. Tu comprends? Il va donner un sens à notre vie et tu vas voir. D'accord? Voilà. Comment tu t'appelles? Nadé, qui est Nigeria. Ah, wow. On a notre église en Côte d'Ivoire. C'est quelle église? C'est Jésus le Dieu. Jésus le Dieu. Tu connais ça? J'ai déjà entendu parler, mais. D'accord. D'accord, ma sister. Le Seigneur t'aime. Jesus like you very well. Jesus wants to pass your life. Jesus wants you abandon your. Bad life. Your life for him. He will show you. Okay? Alright. I will save your son. Voilà. Bon. Je vais prier. Disposez-vous. Je vais prier. Si tu veux, tu peux te mettre à Dieu. Ça dépend. Et si tu veux, tu peux rester comme ça. Seigneur! Oh Dieu, mon roi, regardez, ce matin même, Jésus m'a donné une vision de venir dans ces quartiers, qu'il y a plein de ses enfants, dans ces quartiers, de venir ici et de prier pour ses enfants. C'est pour ça, on n'est jamais venu dans ce quartier. Et c'est Jésus qui m'a dit de venir ici, qui va vraiment faire quelque chose d'important. Mais il veut que vous apprendiez, il veut que vous apprendiez pour pécher. Si tu acceptes, si tu t'engages, il va même te trouver du travail. Moi, comme Jésus, il est capable. Je vous dis, il est capable de changer les choses. Moi, je peux dire, je suis un grand drogué. Je suis un grand délinquant. Je connaissais rien de Jésus. Mais il m'a visité. Il a changé ma vie. Et aujourd'hui, quand je parle de lui, c'est avec beaucoup de fierté. Alléluia. Je vais prier.
Seigneur, mon Dieu, mon roi, voilà ce pour qui tu es allé à la croix. Tu as souffert, Seigneur Jésus, tu as souffert à la croix à cause de ces âmes. Seigneur, regarde, l'ennemi les a enchaînés, l'ennemi les a liés et il ne sait pas que faire. Mais toi, tu sais ce que tu peux faire dans leur vie. Seigneur, je te prie, papa, que leur âme, Seigneur Jésus, reçoit ta visitation. Seigneur, que leur âme reçoive ta visitation. Seigneur, que leur âme reçoive ta visitation. 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 Seigneur, brise les chaînes. Seigneur, que leurs liens tombent. Que leurs chaînes tombent. Leurs chaînes de malédiction tombent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit qui les a pris en otage. Seigneur, je te prie, papa, agis maintenant pour les libérer. 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 Seigneur Jésus, à partir de maintenant, Seigneur, que ta lumière les visite. 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 Que les ténèbres s'enfuient devant elle maintenant. Que les ténèbres s'enfuient devant elle maintenant. Que les ténèbres s'enfuient devant elle. Seigneur Jésus, c'est à cause de ces âmes que tu es allé à la croix, que tu as pleuré à la croix, que tu as souffert à la croix, Seigneur, pour qu'elles n'aillent pas en enfer. Seigneur, je te prie, papa, efface leur nom du livre de l'enfer. Écris leur nom dans le livre de vie, Seigneur. Papa, à partir de maintenant, Seigneur Jésus, donne-leur le dégoût du péché. Donne-leur le dégoût de l'impudicité. Donne-leur le dégoût de la débauche. Et Seigneur Jésus, sème en eux le désir du ciel, l'affection pour les choses du ciel. Seigneur Jésus, tu connais leurs besoins. Papa, je te prie d'agir dans eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez donner votre numéro. Madame, on va vous mettre. On va vous envoyer des prières et tout ça. D'accord. Tu n'as pas WhatsApp. You have a number WhatsApp. All right. Alléluia, 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 alléluia. Oui, on va prier pour toi aussi. Viens, on va prier pour toi. Come, on va prier pour toi. Pour moi? Yes. Moi, j'ai toujours prié. Hein? Moi, j'ai toujours prié. Oui, mais prier là. Vous m'avez frappé là seulement. Hein? Il faut lui donner. Jésus vous aime tous. J'ai vu une tante aussi. Allez, alléluia. C'est bon? Vous avez pris le nom. D'accord. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Ouais. Faut quand même croire. On le sait jamais. D'accord. Oui, on va prier pour toi d'abord. Tu n'as pas prié les gens. Toi, tu amènes les gens. Mais toi-même, tu ne veux pas aller. Toi, tu es en colère. On va prier les gens. Mon petit, comment tu t'appelles? Hein? Faoliane. Et toi? Basilat. D'accord. Jésus va te donner de très jolis noms. D'accord? Seigneur Jésus, je prie, papa, je te confie ces enfants. Seigneur, efface leur nom du livre de la mort et écris leur nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, que ta lumière les visite. Que ta lumière visite leur âme et que les chaînes trouvent. Tombe au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, soutiens le papa. Seigneur, donne-leur de l'intelligence. Seigneur Jésus, révèle-toi à ses enfants pour te servir dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi. Toi aussi, tu amènes les autres, mais toi-même, tu n'es pas prêt. Ah, c'est mon enfant, non? Oui, mais toi aussi. Hmm? Est-ce que tu as déjà donné ta vie? C'est vrai, tu vas t'acheter. Ah, tu as donné ta vie à Jésus dans l'islam. Tu as donné ta vie à Jésus dans l'islam.
Les deux. Tout c'est la même. C'est vrai. D'accord. Seigneur Jésus, révèle-toi à lui et sors-la de la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te dis en même temps, si tu décides même si je suis là, je te dis, je sais que tu es pas à l'aise. Jésus-Christ, si nous avons choisi ici là, c'est peut-être même à cause de toi seul. C'est comme ça qu'il travaille. Regarde, j'ai un, on est très suivi en Côte d'Ivoire. On a même un groupe spécialement pour la Côte d'Ivoire. On est très suivi en Côte d'Ivoire. Voilà. Hein, c'est notre groupe pour la Côte d'Ivoire. C'est lui aujourd'hui, tu vois. Plus de 434 membres. Rien que des Ivoiriens. Voilà. Rien que des Ivoiriens. Donc la Côte d'Ivoire, c'est notre second pays. Oui. Si tu veux, on va t'inviter dans notre église. Tu vas venir, on va faire ta délivrance même. Parce que tu as vraiment besoin de délivrance. Moi, je sais. Voilà. Tu sais qu'il y a des esprits qui te fatiguent. Quand tu dors, comment, qu'est-ce que tu vois quand tu dors? Est-ce que tu vois parfois des serpents? Ah, je sais pas. Tu vois des inconnus toucher avec toi? On s'est mangé quoi? Mm-hmm. Ah, tu te vois manger dans l'eau. Voilà, ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. Tu te vois aussi dans l'eau? De temps en temps. Voilà. Ah, il y a l'esprit de sirène. Il y a l'esprit de sorcellerie, d'initiation à la sorcellerie. Donc tu as besoin de la guérison. Moi, je vais vous appeler. Ça fera plaisir. Il n'y a pas de problème. On sera à l'écoute. Que le Seigneur te soutienne. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Oh, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Ça ne marche pas. Faut jeter, on va parler de Jésus. Ça fatigue même. On va parler un peu de Jésus. Jésus qui est beau. Oui, mais c'est un jour ça commence. Moi-même, là, c'est un jour ça a commencé pour moi. Tu n'as pas le temps pour parler de Jésus. Mais, là où tu es là. Il m'a mis aussi mon pote en avant. Là où tu es. Hier, on m'a appelé de Tito. Il a dit qu'on ne parle pas de Jésus à côté d'elle. Son enfant se connaît. Oui, non, c'est juste un exemple que je te donne. On ne parle pas de Jésus à côté d'elle. Mais il s'est fait que elle est dans la semaine, elle est tombée AVC. Mais pied de la maladie. C'est ça, vous, ce qu'on va faire. Et je l'ai appelé hier. Est-ce que tu vas accepter maintenant Jésus? Non. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu vas maintenant accepter Jésus? J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, c'est au moment où nous sommes en bonne santé là. C'est en ce moment où Dieu veut que nous le connaissions. On se donne à lui. Tu pries que Dieu. Tu pries seulement. Allez. Attends, c'est pas allez.
problème, c'est la foi. Oui, la foi en quoi? Il y a des gens qui croient au bois. Il y a des gens qui croient à béton. C'est pour ça que je vous ai donné une raison que je ne sais pas que je ne suis pas marrant. Oui, c'est pas ça. Mais, dis-moi ton secret. Tu pries à Dieu. Il y a un secret en moi, mais. Mais dis-moi. Je prie. Peut-être que c'est dangereux pour toi. Non, c'est pas lui. Non. Il y a beaucoup de faux dieux sur la terre aussi. Hein? Non, non. Il y a des dieux chinois. Non, moi, je ne dis pas que Dieu. Ah? Il y a trois dieux, il y a quatre dieux. Le seul dieu, son nom s'appelle Jésus. Il n'y a pas de dieu. Voilà. Il n'y a pas de dieu. Mais c'est lui qui m'appelle Jésus ici maintenant. Il est en train de parler avec lui. Voilà. Donc, on peut. Donc, chaque jour, comme le fait, je vous aime. Maman, regarde. Maintenant, le Seigneur veut maintenant que tu t'attaques davantage. Donc, en fait, moi, je n'ai pas le temps. C'est ça. Mais quand il va s'attraper là, tu auras le temps. Non, c'est pas ça. Mais je reconnais qu'il est là, il existe. Il a attrapé les gens. Oui. Il m'a attrapé. Moi, je ne veux pas son temps. Mais il m'a attrapé. Il est son temps, mais il est bien. Voilà. Tu sais comment il m'a fait? C'est dans chambre de passage que Jésus m'a délivré. Dans chambre de passage avec prostituée. Je te dis la vérité. C'est là même que Jésus m'a coiffé. Tu as bien compris ça. Donc, quand Jésus t'attrape, il peut t'attraper même sur WC. Oui. Ah. Voilà. Donc, je veux que tu te donnes à lui. Rappelle-moi ton nom. C'est la Bible. Seigneur Jésus, papa, voilà ton fils. Seigneur, visite son âme. Seigneur, je te prie, tel que tu m'as fait. Seigneur, visite-le aussi. Révèle-toi à lui. Révèle-lui ta volonté. Seigneur, toute personne que tu envoies sur cette terre, c'est pour te servir. Mais l'homme n'a pas le temps pour toi. Seigneur, donne-lui le temps de te servir, papa. Seigneur, soutiens-le. Au nom de Jésus-Christ de la vie. Amen. Les temps sont finis. Oui. T'es poli. Toi qui amènes les gens là, on va traiter ton cas aussi. Non, moi je dis. Moi je connais ni tes quoi. Je connais tes quoi, pas ton cas. C'est là, attendez. Je te l'ai dit. Nos filles, profitez à vous. Non, t'es non plus ni blanc. Non, t'es non plus. Faut parler. Voilà. Ta foi là. Et d'abord, tonton, que le Seigneur te bénisse. Ça va? D'accord. Est-ce que tu vas accepter Jésus? Tu peux prier pour toi. Viens, voilà. Mais au moins, tu sais que je suis ton pasteur. Oh. Emmanuel, voilà. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, voilà Emmanuel. Oui. Il a besoin de ta main. Seigneur, je te prie. Même dans son sommeil, tu le visites. Tu agites dans sa vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Attendez. Jésus te fait ça là. Tonton, que le Seigneur te bénisse. Tanti, on t'a bien à Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu vas accepter Jésus? Tu l'as accepté, mais tu veux l'accepter. C'est vrai. Mais tu m'as dit que tu allais avec Jésus. Tu vois. Comment est-ce que tu veux dire? Moi, je suis né. Il est de Jésus dedans, honnêtement. Catholique,
le Dieu de Capri est ta fête de Jésus-Marie. On va parler de ça. Si tu viens faire tes questions, je vais te prier pour toi. Est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as la mort, tu sais? Voilà. C'est ça que nous prêchons pour ça, à toutes les choses, de tout faire pour ne pas tomber dans ce feu. Et pour ne pas tomber dans ce feu-là, il faut accepter Jésus. Ah, fille. Je vais te dire la vie. D'accord. Je vais te dire la vie. Il n'y a pas Jésus dans ta vie. D'accord. Si tu veux que Jésus ne parle dans ta vie, il faut que tu le suives directement. Sa parole et fais sa volonté. Et pour aller au ciel là, tu dois réellement attendre tout ce qui est du péché. Non. Jésus revient. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu sais que Jésus n'est pas vraiment fier de toi. Tu vois ça là. C'est un fardeau même, tu vois. Nous prenons les autres. Tu as de tous les problèmes pour cligner tes yeux. Attends, tu vois ça là. Quand tu vois les sorciers boire du sang là, leur lèvre là c'est rouge. C'est ça ils ont fait pour fabriquer rouge à lèvres. Tu comprends? Donc tout ça là, tu es en train d'attirer le sorcier même dans ta vie. Je te dis avec toi. Ça là aussi, regarde, ça aussi là. Tout ça là, tu attires les esprits des sirènes. Tu connais les esprits des sirènes? Hein? Les esprits qui habitent la mer là. Tu les attires dans ta vie. Ils sont près en toi là. Tu as besoin de délivrance. Tu les laisses comme ça. Ils vont dormir avec toi. Ils vont coucher avec toi. Ils vont manger avec toi. Et quand tu meurs aussi, c'est eux qui t'amènent en enfer. Tu sais ça? Il faut que vous acceptiez Jésus. Nous sommes dans un monde de vanité. Nous sommes dans un monde éphémère et de toutes les vanités. Si nous n'avons pas Jésus là, notre vie n'est pas en sécurité. Notre âme est enchaînée, ligotée. Si nous n'avons pas Jésus, c'est ce que je suis venu vous dire. D'accord? Ma fille, est-ce que toi tu vas accepter Jésus? C'est fille bien gâtée. Hein? Aujourd'hui, la garçon porte aussi boucle d'oreille. Non, je ne comprends pas. Surtout le style que vous avez fait sur sa tête là, ça m'a embrouillé même. Seigneur, voilà tes enfants. Tu nous as dit, allez semer la parole. Nous sommes venus semer. Seigneur, toi-même, arrose dans leur cœur. Toi-même, révèle leur, Seigneur Jésus, leur état spirituel. Seigneur, délivre-les, Seigneur Jésus, des chaînes de religion, des chaînes catholiques, papa. Écris leur nom dans le livre de vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. M'entends-t-on? Jésus-Christ vous aime. Jésus, m'entends-t-on? Jésus vous aime. Jésus, m'entends-t-on? T'entends, Jésus t'aime. T'entends, Jésus t'aime. Jésus-Christ, Seigneur, m'entends-t-on? T'entends, Jésus t'aime. Non, il ne te fume pas, mon ami. Toi, allez. Non. Il ne te fume pas. Tu nous as dit, celui qui accueille un sainteté de Dieu, en qualité de sainteté de Dieu, pour recevoir une grâce de sainteté de Dieu. Papa, que cette grâce vous dit ta vie, Seigneur. Que ta lumière vous dit ta vie. Seigneur Jésus, efface son nom du livre de l'enfer. Écris son nom dans le livre de vie. Seigneur, délivre-le de toutes les chaînes maléfiques, papa. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de la parole. Que le Seigneur te bénisse. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus est imminent. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour vivre.
vraiment ton fait. Oui, Wendy. Et là encore, pour pleurer en enfer. Wendy, on a eu la vie. Et là encore, pour pleurer en enfer. Et on a eu la vie de Dieu ce matin. Il y a un temps, je fumais la drogue comme au feu. On a pour la feu vibrer de Dieu tout le temps. Qui ne fumait pas la bouche. Qui ne fumait pas les narines. Qui ne fumait pas les oreilles. Tu sais de ta vie ce que tu veux. À recette des atomes de Dieu. Il y a aussi un temps. Pour pleurer de tout ce que tu fais de ta vie. Alors là, il y a vie. Nous voulons l'arrivée de CC. Il y a un temps pour pleurer de ce que tu fais de ta vie. Nous voulons en bleu nous présenter. Il y a un temps pour faire l'inventaire de tout ce que tu es en train de semer. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour s'en foutre de Dieu. Il y a un signe pour faire mieux. Il y a un temps pour regretter. Pour dire. Si je savais, j'allais donner ma vie à Jésus. Il y a un temps pour faire de son fils une marchandise. Mais il y a un temps. Il y a un temps où le sida va te ronger. Ça va te ronger. Et ton âme aussi sera rongée. Et l'enfer va te ronger. Combien ce matin, mon ami, il vient à signer, oui. Il y a un temps. Oui, pour chaque chose de la terre. Oui, nous, c'est il y a un temps pour porter plus vite. Oui, nous, 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 il y a un temps pour qui j'en ai un temps pour lui, je peux mourir de ta paix. Il y a un temps pour qui il y a un ça va passer toute ta vie, voilà, ça aura. Il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Nous il y a un temps pour chaque chose. Mais nous nous quel est le temps que tu es en train de vivre? Est-ce que c'est un temps positif? Et pour nous un temps négatif? Un temps. Pour boire ce qu'on veut boire. Un temps pour boire la bière. Où tu vas jeter ce plateau? On veut demander à Seyvi pour pleurer pour tes péchés. On a eu un temps. Où tu vas fumer la cigarette? On a nos cigares à copier. Fume comme tu veux. On a nos lèvres à des jours et bon. Fume comme tu veux. Nous, il y a pas bon. Mais il y a un temps. À mon venu. Où tu vas traiter? Mais il va venir. Le temps que nous sommes. Venez, venez, disons. C'est le temps de la réponse. Nous sommes dans la saison de repentance. Jésus t'aime. Accepte Jésus. Dis Jésus le présenter. Accepte le papa. Dis Jésus doit. Jésus veut te faire quelque chose. Jésus n'a pas de Jésus veut transformer ta. Jésus n'a rien présenté. Jésus va te libérer des chaînes de malédiction. Jésus va écrire ton nom dans le livre. Jésus va te libérer de ta tombe. Oui, oui. Viens ma pomme. Jésus nous a donné. Accepte Jésus. Dis Jésus le présenter. Viens mon frère. Je vous ma femme, Jésus Christ à terre.
Jésus-Christ appelle. Viens, mon frère, reviens, ma soeur. Jésus-Christ appelle. Viens, mon frère, reviens, ma je vous salue au nom de Jésus. Jésus-Christ m'envoie vers vous. Jésus-Christ pour porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus-Christ en nomme. Jésus a le plan pour Jésus-Christ. Jésus le dit que la directe de acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Jésus va vous libérer des chaînes maléfiques. Nous prêchons le royaume des cieux. Nous prêchons la repentance. Nous prêchons le ciel. Si vous acceptez Jésus, Jésus le vous devez faire sa volonté. Vous devez vous engager à la marche de la sanctification. Les filles, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus-Christ. Amen. Seigneur, voilà une de tes enfants. Papa, visite son âme. Seigneur, tu sais ce qui est bon pour elle. Seigneur, je te prie, visite-la. Seigneur, agis dans sa vie, Seigneur. Révèle-lui ta volonté, Seigneur Jésus. Seigneur, les chaînes qui l'ont lié, les chaînes d'iniquité, les chaînes de Jézabel qui l'ont lié, papa, je te prie, que ces chaînes soient rompues. Seigneur Jésus, visite-la. Révèle-toi à elle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Vous nous l'avez dit qu'on va. Oui, là-dessus. Attendez. J'ai vu cœur. Regarde, j'ai vu cœur. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Les temps sont finis. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre sa vie. Une vie de prostitution. Une vie de drogue. Il n'y a plus de temps pour faire sa vie. Une vie de drogue. Les temps sont finis. Je vous lève du pauvre. La patente, Jésus-Christ. La patente, Jésus-Christ. Jésus-Christ, on est là. Est-ce que Jésus t'a pas dit? Jésus aime tous les musulmans. D'accord? Jésus t'aime. Jésus t'attend. On t'entend. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Les temps sont finis. Les tontons, je vous salue dedans. Donnez votre vie à Jésus. Il fait très chaud en enfer. Il fait très très chaud en enfer. L'enfer réel. La religion ne t'a jamais parlé de l'enfer. Sinon tu vas crier. Maman a tout beau. Tu es allé pour vous pécher. Il a venu là de maman, Jésus t'aime. Jésus, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Je sais que tu aimes Jésus et tu le cherches. Et il veut faire des grandes choses à toi. Comment tu t'appelles? Viens, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es prêt? Jésus t'aime. Jésus a à la croix à cause de ses péchés. Pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme. Jésus veut seulement tout casser. Lui va faire le d'accord. Seigneur Jésus, voilà mon bien-aimé Thierry. Papa,
Son âme a soif de toi, Seigneur. Son âme a besoin de toi, Seigneur. Son âme veut que tu fasses quelque chose pour le libérer, papa. Seigneur, regarde ça. Il ne connaît rien. Regarde, Seigneur, regarde, Seigneur. Papa, à l'instant où je dis que tu libères son âme, papa. Seigneur, libère son âme de la vie de délinquant. Seigneur, libère son âme, papa, je te prie. Libère son âme des chaînes, Seigneur Jésus. Papa, libère son âme. Seigneur, libère son âme. Seigneur, libère son âme de cette fille, Seigneur. Libère son âme, papa. Seigneur, tu n'es pas fier de l'état dans lequel se trouve ton âme, Seigneur. Seigneur Jésus, fais-lui grâce, Seigneur. Papa, je te prie, Seigneur, comme tu m'as libéré, libère-le aussi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de l'âme. Quand tu vas te retrouver là, le capitaine t'a donné. Police. Mon numéro est dedans. Tu m'appelles. Je vais encore prier pour toi. Je vais te visiter là où je suis. D'accord? Sois béni. Attentif, viens, je vais prier pour toi. Sister, come on. I pray for you. Come. Come. Allah. Jesus. Amen. Jesus. Alright. Voilà. Ça, elle connaît le sang de Jésus. Voilà. Elle sait que pour prier Jésus, on couvre sa tête. Maintenant, bientôt, tout ça là, Jésus va changer tout ça. Tu es content? D'accord, comment tu t'en fais? Joy, voilà. Est-ce que tu as déjà donné ta vie? Tu ne sais pas encore. Tu connais Jésus, mais tu n'es pas encore engagé à le suivre. C'est ça, hein? Jésus-Christ. D'accord? Jésus-Christ veut que tu t'abandonnes à lui. D'accord? D'accord? Je vais prier pour toi. Tu as le numéro WhatsApp. D'accord. On va prier pour toi. Tu vas nous donner ton numéro. On va te rappeler avec toi. On va prier avec toi. D'accord. Ok, bien, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, voilà ta fille, Seigneur. Elle veut te connaître, mais elle n'a pas les moyens. Parce qu'elle est enchaînée. Elle est en prison. Seigneur, c'est à cause de cette femme que tu m'as envoyé dans ce quartier. Seigneur, je te prie. Papa, visite son âme. Seigneur, visite son âme. Seigneur Jésus, visite son âme. C'est son âme qui te tient, papa, et tu es allé à la croix pour la sauver. Seigneur Jésus, que ses liens soient rompus. Que ses liens soient brisés. Que ses chaînes tombent maintenant où je prie. Seigneur Jésus, papa, que ta lumière la visite et que tu la sortes des ténèbres. Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus que tu m'as fait. Prenez son nom, son numéro. D'accord? Tu es esprit d'accident au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Les temps sont finis. Ne meurs pas dans la prostitution. Ne meurs pas dans la drogue. Ne meurs pas dans la prostitution. Je te demande pardon. Ne mets pas dans la débauche. Ne mets pas, pardon, ne mets pas dans la bière. Ne mets pas dans cette vie de toi, chérie. Les enfants, vous avez Jésus. Vous avez Jésus. Qui aime Jésus là? Qui aime Jésus parmi vous? La personne n'a qu'à lever la main, je vais prier pour lui. Qui aime Jésus? Tout le monde aime Jésus. Toi, tu aimes Jésus. Et toi, tu aimes Jésus. Et toi, tu aimes Jésus. Tu aimes Jésus. Et toi, tu aimes Jésus. Tu aimes Jésus aussi. Tu aimes Jésus. D'accord. Papa, voilà tes enfants qui t'aiment. Seigneur, écris leur nom dans le livre de Dieu. Et passe leur nom du livre de l'enfant. Seigneur, efface leur nom. Du livre de la sorcellerie et écris maintenant leur nom du Dieu au ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le matin, vous priez Jésus. D'accord? Le matin, quand tu es là, papa Jésus, merci. D'accord? La nuit, quand tu es là, tu vas dire papa Jésus, je te confie mon âme. D'accord? Et Jésus va te visiter. Alléluia. Voilà. Là où on devrait aller, mais on va faire le coup comme ça. On va encore revenir. C'est là, c'est l'heure, c'est là.
de la zone là. Comme ça. Derrière le meuble là. En tout cas, tout le quartier c'est. D'accord. Tout le quartier. Maintenant, on va encore revenir là. Parce que c'est un travail qui a commencé. On va faire. Voilà. Si tu es vivant. Ils vont faire des Jésus-Christ. Après la mort, je te rentre là. Si tu es vivant, ils vont faire des Jésus-Christ. Après la mort, je te rentre là. Je vais prier pour toi. Que sera ton temps? Si tu es vivant, il faut être Jésus-Christ. Après la mort, que sera. Pardon? On a besoin de tout ça. Tu ne vas pas te filmer. Tu ne vas pas te briser ces chaînes. Ces chaînes de malédiction. Ces chaînes de péché. Papa, visite là, Seigneur Jésus. Papa, tous les liens de malédiction qui ont lieu, papa, je prie que tous ces liens soient rompus, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vous aime. D'accord, doucement. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Mon tonton, Jésus t'aime, Jésus vous aime. Les temps sont finis, donnez votre vie à Jésus. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. La trompette va sonner à tout moment. Il fait très chaud quelque part, on appelle enfer. Il fait très très chaud quelque part. On appelle enfer. Quand l'homme est vivant là, il peut tout dire. Mais quand son fait enfer de lui, il devient papier. Il devient papier. L'homme qui ne craint pas Dieu, c'est une personne qui bat devant Dieu. Quand Dieu enlève son souffle, en fait, un jour, les vers ont déjà fini avec lui. Quel que soit sa cabaret, quel que soit sa hauteur, quel que soit son divan. C'est fini, les vers ont déjà fini son plan. Je te dis la vérité, si tu enlèves ton souffle de toi, on te dépose là, je te donne 4 jours. Les mouches vont t'envahir, ils vont chier sur toi. Et les vers vont commencer par te ronger. Tes amis passés par là vont faire. C'est comme ça la vie. C'est pour ça qu'il faut craindre Dieu de ton droit. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, l'enfant est réel. Quand tu dors, tu es sur ton lit, et tu te vois quelque part dans tes rêves. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta vie. Jésus vous aime. Les temps sont finis. Il fait chaud quelque part. Je vais dire, tes oreilles peuvent casser, tu peux me maudire, mais il y a l'enfer qui t'attend. Oui. La religion ne peut pas parler de comment le feu de l'enfer, ça brûle. Mais on se maintient mais de feu, ouais. Et ça va les pécheurs comme toi. Bon, nous manipulons les uns et les autres là, ouais. Ça va les braqués comme toi. Ça va les prostituées comme toi. Les uns et les autres là, ils ne sont pas de feu, ouais. Ça se voit. Et les uns et les autres. Jésus nous a donné le temps de faire. Je nous l'ai dit souvent. Acceptez Jésus d'abord. Oui, Jésus nous fait ça. Non, mais pas blague. Oui, de mes yeux, aïe, vous voulez. Regardez comment les sorciers, ils ont démoli la vie. Acceptez de mêler 20 bonnes. Ils ont reçu le pouvoir de ça. Vous serez liés à ça. Pour vous emmener en enfer. Vous n'êtes pas les lions. Mais on ne veut pas de salut de Jésus. À moi et de Jésus Christ, ils vous donnent. Mais les âmes sont mortes. À mon mêler notre taco. Mais quand ils ont le malheur. À mon lieu, nous t'aillons ensemble. En ce moment, ils parlent de. En ce moment, il parle de personne là. Fine, no, no. Tu parles de l'histoire. C'est de ton vivant tu vas chercher la paix. Cherche la paix. Le temps de ton vivant. Après la mort, après la prière, comme le
l'air du Dieu. C'est une folie devant Dieu. Et nous, on t'a donné une maille. C'est un ancien rasta qui vous parle. Mais mon milieu, la parole, Jésus m'a libéré. Jésus tout canonique. Jésus m'a délivré. Jésus tout canonique. Jésus m'a délivré. Qui est fatigué de la drogue? Mais le drogue, vous ne pouvez pas faire la vie. Qui est fatigué de la prostitution? Vous êtes à Jésus. Moi-même, je venais ici à ton cœur pour vous chercher. L'enfer est. D'accord, on a compris. Votre vie à Jésus. Le repos de Jésus, c'est toi. Toi qui nous écoutes, non, tu ne dis pas ton cœur. C'est le moment de faire la paix avec ton créateur. C'est le moment de changer de vie. Si tu le mets, ta repentance demain, la mort peut te surprendre cette nuit. Tu connais ta date de naissance, mais tu ne connais pas la date que tu vas repartir. Tu connais la date de naissance, mais la date que tu vas repartir, tu vas quitter la terre, tu ne connais pas. Les temps sont finis. Tu ne connais pas. Mon fils, Jésus-Christ. Bienvenue à nous. Donne ta vie à Dieu. Viens faire ça tout le jour. Donne ta vie à Dieu. Viens faire ça tout le jour. Les temps sont finis. Je vais le dire comme ça. On attend là. Tu es un lit de Dieu dans la vie. On attend là. Tu es un lit de Dieu dans la vie. On attend là. Tu es un lit de Dieu dans la vie. On attend là. Tu es un lit de Dieu dans la vie. Vous me chassez, maman. C'est pas le château. Jésus n'est pas parlable. Je suis venu parler de Jésus à cette fille. Oui, ma fille Jésus t'aime. D'accord? Oui. Jésus aime tout le pays. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Mais je sais que cette lui-même, tu auras besoin de Jésus. Cette lui-même, Jésus va te visiter. Les temps sont finis. C'est une chose grave. Que la créature déteste son créateur. Mais d'accord, c'est une chèvre. Mais que la créature déteste son créateur. Il va être le démon. Que j'ai cassé le petit. Et pour y trouver, nous avons fait le petit. Est-ce le vase de casser le potier? On vient, nous avons fait le petit. Que j'ai cassé le Jesus like you, my sister, God bless you. Can I pray for you? Come on, I pray for you. Come, I pray for you. Come, I pray for you. Ah, Seigneur Jésus, tu visites cette âme. Seigneur, tu la visites. Mon âme. Seigneur. Assista. Ah, elle est fou. Viens, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Elle s'appelle comment? Aïe.
Viens, je vais prier pour toi. Non, je ne vais pas te toucher même avant de prier pour toi. Allez,
Voilà, elle dit, oui, c'est ça, vie de tout. Jésus, oui. Où est-ce que tu as là? Hein? Où est-ce que tu as là? Mais va faire quoi, mais? Mais que Jésus, vous prenez la monnaie. Pourquoi quatre mois? Comme ça, ça t'aime. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, papa, voilà ton fils. Seigneur,
il a le dégoût de la vie. Mais mes petits colis, même aider les petits colis, à cause de Jésus. Voyez, c'est vous pécher, voyez, c'est vous qui vous présentez. Il y a Dieu présent, à cause de la vie, il y a Dieu. Pécher, les tontons. À cause de la vie, pécher. À cause de la vie, il y a Dieu. À cause de Dieu, il y a Dieu. À cause de Dieu, il y a Dieu. À cause de Dieu, il y a Dieu. À cause de Jésus, quand Dieu vous dit, blé. C'est vrai ça. Comment tu t'appelles toi? Michael. Michael de Jésus. On peut amener ça? Maman, elle est bien, elle est bien. 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 Tu as fait très bon travail. Viens pour moi. Seigneur Jésus, que ta lumière visite cette maison. Papa, que ta lumière visite cette maison. Que ta lumière visite cette maison. Seigneur, que ta lumière visite cette maison. Papa, toutes les âmes qui sont enchaînées dans cette maison. Papa, je te prie de les visiter. Je te prie de les visiter, papa. Je te prie de les visiter. Je te prie de visiter ces âmes, papa. Je te prie de visiter ces âmes, Seigneur. Je te prie de visiter ces âmes. Que les chaînes tombent, Seigneur. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Seigneur, visite les âmes de cette maison. Papa, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maman, Jésus t'aime. Donnez votre vie à Jésus. Oui, mais est-ce que j'ai... Est-ce que c'est parlant? Est-ce que c'est Oui, mais est-ce que si tu es céleste, tu parles de Jésus, non? Donc si on te dit Jésus t'aime, tu vas répondre comment? Tu as commencé par palabrer comme c'est la guerre. Je ne vais pas parler de ta statue, sois en paix. D'accord? Je ne vais pas parler de ta statue. Mais je vais te parler du ciel. Hey, papa. Alors c'est vision, toi tu es.
Allumez. La tasse en file. Ah, c'est bon. C'est ça. Alléluia. La réponse est là. Alléluia. Alléluia. D'accord, prenez son numéro. Prenez son numéro. Sita. God bless. Jesus, love. Jesus, like you. Tu parles français? Viens, je vais prier pour toi. Ah, mais tu comprends français là? Ah, elle est embrouillée. Sister. God bless you. God like you. I talk you repent. Jesus like you. Jesus wants to see you in heaven. Eh? Jesus wants to see you in heaven. Give your life to Jesus. Okay? Give your life to Jesus. If you want, I pray for you. Jesus like you. For him is a reality. For him is a reality. Seigneur, voilà tes filles. Seigneur Jésus, voilà tes filles. Seigneur, voilà. Sister. Ma sister. Vous blaguez avec vos âmes, pas. Seigneur, voilà des âmes enchaînées dans les liens. Oh, Seigneur Jésus, papa, visite leur âme. Seigneur Jésus, le diable veut les voir en enfer, mais toi, tu veux les voir au ciel. Seigneur Jésus, papa, délie leur âme. Délie leur âme. Les chaînes que l'ennemi a pris pour lier leur âme, je prie que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Tombent au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Il fait très chaud en enfer. Il fait chaud en enfer. Beaucoup d'âmes sont en train de mourir en enfer en ce moment. En train de dire, Seigneur, oh, renvoie-moi sur la terre. Je ne repars. Je ne veux plus me prostituer. Mais on l'a dit, c'est trop tard. On l'a dit, c'est trop tard. Regarde,
Mahatma Gandhi. Toi qui te prostitues, regarde ton corps. Remets nos dos. Tu ne passes encore mort, hein. Moi, Baza, tu as mais les démons déjà pris ton corps. Et c'est comme si tu es déjà en enfer. Bon, écoute, regarde dans le milieu de ma chimère. Parce que ton âme est en train d'être rongée. Non, allez, ton tout est en nous. Mais Jésus! À mort, Jésus-Christ, il est en libéré. Et ben, à tout canoué. Jésus va te libérer. Jésus, il y a tout canoué. Jésus va te libérer. Jésus, il y a tout canoué. Jésus va te libérer. Jésus-Christ, il y a tout canoué. Jésus va te libérer de la drogue. Jésus, il y a tout canoué. La drogue plus la prostitution. Un drogue pour l'intérieur. C'est comme quoi, l'enfer. Le feu de l'enfer brûlant. Le feu de l'enfer brûlant. Les gens sont en train de pleurer quelque part en ce moment. Mais là, nous avions le filier de l'enfer. À cause de l'ignorance. Non, Manuel, ou tout. Les gens sont en train de brûler quelque part. Mais les deux, à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Le monde est rempli de pourriture. Mais là, il va quand nous influquer. Jésus-Christ est venu pour détruire les œufs des ténèbres. Tu vas voir un azote, c'est tout dans les lumières brillent. Jésus t'aime dans ta vie à Jésus. C'est que présente-nous Jésus. Accepte Jésus dans ta vie. Les temps sont finis. Mais ne pas sans Jésus. Je te dis la vérité. Il fait chaud en enfer. Bon, tonton, Jésus t'aime. Les temps sont finis. Jésus t'aime. Viens, je vais prier pour la fille. Viens, 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 je vais prier pour l'enfant. Si toi tu refuses, je vais prier pour l'enfant. Viens, 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 viens. Si toi tu refuses d'adorer Jésus, Jésus, l'enfant va adorer Jésus. Comment il s'appelle? C'est garçon ou bien fille? Oh, belle fille, belle princesse de Jésus. Ah, princesse de Jésus. Papa, je prie, voilà une âme. Oh, qui est née dans des conditions difficiles. Seigneur Jésus, malgré qu'elle est née dans cet environnement pourri, Seigneur, je te prie que ta lumière soit sur elle. Que ta lumière soit sur elle. Que ta lumière la visite. Tu la remplis de ta lumière. Tu la remplis de ton feu. Que ton sang la couvre. Que ton sang la couvre. Seigneur Jésus, tout le marque de Satan sur cet enfant soit effacé par le sang de Jésus. Tout sorcier qui va toucher cet enfant soit foudroyé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et toi, viens, je vais prier pour toi. Aujourd'hui, c'est prière cadeau. C'est prière cadeau. Cadeau, Jésus t'a tout cadeau. Cadeau. Dans la Bible, est-ce que tu sais qu'il y a une Prisca? Elle fait quoi? Tu les aimes? Ah, j'ai à savoir. D'accord? La Prisca de la Bible, là, c'est une servante de Dieu, une femme de prière. Une femme qui craint Dieu. Une femme qui évangélise même. Tu peux évangéliser. D'accord? Tu veux que Jésus te fasse? Mais quels sont les produits? Mariage, commerce, tout ça là, ton travail, tout te donne le travail. Maintenant, est-ce que tu sais ce que Jésus veut pour toi? Jésus, c'est ce que tu attends sur tout le ciel. Et lui, il va faire tout le reste. Tu es d'accord? C'est très important. D'accord? Seigneur, voilà ta fille Prisca. Je ne la connais pas, mais toi, tu la connais. Seigneur Jésus, voici, elle veut que tu impactes sa vie. Mais toi, tu veux impacter son âme. Seigneur, je te prie, papa, de visiter son âme. De visiter, de la visiter. Les chaînes qui l'ont liée, papa, je te prie que ces chaînes soient rompues. Que ces liens tombent au nom de Jésus. Seigneur Jésus, papa, efface son nom du livre de la mort. Efface son nom du livre de l'enfer. Écris son nom dans le livre de vie au ciel. Au nom de Jésus.
Seigneur, je prie pour tous ceux qui dorment dans cette maison. Papa, que ta lumière les visite. Je te confie grand-maman. Seigneur Jésus, notre grand-maman, Seigneur, je prie que son âme, oh Seigneur Jésus, reçoit ta visitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, papa, tout esprit de prostitution dans cette maison soit lié et jeté dans les abîmes. Seigneur Jésus, papa, agis ta l'œuvre au nom de Jésus. Amen. Tonton, Jésus t'aime. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est éminent. Qu'on y va, Jésus, qui s'en fout, c'est dans son fils. Qu'on y va, Jésus, qu'on voit. Après la mort, tout sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Amen. Tout le monde est là. Amen. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Venez ici. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur qui vraiment nous a. J'ai vécu exactement l'image que j'ai vue dans le fond. C'est ça, on est venu vivre. C'est ce que j'ai vu. On a vécu surtout la maison qu'on a quittée tout à l'heure. C'est un peu des choses que j'ai vues. Ça montre que le Seigneur connaît ce quartier, il connaît cette vie-là. Le travail que lui veut, c'est qu'on vienne semer. On a semé. Et je sais que quelque chose s'est passé spirituellement. Les âmes sont impactées. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur qui est resté avec nous du début jusqu'à la fin. L'ennemi voulait réagir, vous avez vu l'intention, voilà, les démons voulaient réagir, mais le Seigneur Jésus-Christ a cassé les bras et tout s'est bien passé. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Prions, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur Jésus, merci infiniment pour la réussite de cette mission. Merci infiniment, papa, merci Seigneur Jésus, merci pour ces âmes, Seigneur Jésus. Oh papa, reçois la gloire. Seigneur Jésus, merci, merci infiniment. Merci Seigneur Jésus de nous avoir menés ici pour semer ta parole dans les cœurs. Seigneur Jésus, merci pour tout, papa. Merci pour ta protection dans leur vie. Merci pour ta protection, Seigneur. Tu nous as protégés. L'ennemi voulait réagir. L'ennemi voulait riposter. Mais ces temps sont brisés. Certains sont ok. Seigneur, nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier, nous allons demander, Seigneur, toutes les âmes qui ont écouté l'évangile ce soir, qui ont écouté ta parole, qui ont écouté même ton nom. Ce soir, Seigneur, toi-même, visite ces âmes. Seigneur, parle à ces âmes. Prie au nom de Jésus. Seigneur, grand Dieu, grand Dieu. Papa, toutes ces âmes qui ont écouté ta parole, Seigneur, nous te prions. Visite-les. Seigneur, impacte leur vie. Seigneur, impacte les touches-les. Seigneur, cette nuit, papa, nous te prions. Seigneur, parle encore. Seigneur, c'est la crise. Seigneur Jésus, ceux qui sont déjà complètement liés pour l'enfer, Seigneur, je te prie de les libérer. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les liens soient rompus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton sang les libère. Libère-les de la captivité, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, merci. Merci, tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu as commencé avec nous et tu as terminé avec nous. Nous te donnons gloire. Seigneur, nous voulons rentrer. Tu nous amènes sain et sauf à la maison. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc voilà, tout les dieux. Nous sommes venus à terme à ce premier tour. C'est un premier tour parce que c'est un grand quartier. Ça va juste là-bas. Donc, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Ce qu'il m'a montré. Ça s'est réalisé. Nous sommes effectivement venus sur le terrain et les âmes ont été vraiment impactées. Beaucoup se sont disposés. Ils ont écouté le message. Nous avons prêché la repentance comme ça se doit et beaucoup se sont engagés. Et nous savons que le Saint-Esprit va arroser dans ses cœurs et ça va germer et ça va porter de fruits. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur. Ce travail que nous faisons, vous aussi vous êtes concernés. Dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos maisons,
Vous devez parler de Jésus autour de vous. Vous devez évangéliser. Même si les gens ne veulent pas vous écouter, il faut semer. Et le Saint-Esprit va arroser. Voilà. Donc c'était le groupe Jésus revient. Voilà. Je suis votre bien-aimé l'évangile Jean Chrétien, avec le prophète Samuel, alléluia, avec le serviteur Lazare, avec la sœur Lydie, avec voilà, avec la sœur Ruth Esther et à la technique, le frère Isaac. Nous vous disons Shalom! Jésus, 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 Jésus.